Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Saint-Étienne, et plus précisément aux mines de Saint-Étienne, en face de ce magnifique bâtiment pour vous faire vivre la rentrée. Au programme, une interview avec M. Jacques Fayol, le directeur des mines de Saint-Étienne, et des étudiants pour vous faire découvrir l'école. C'est parti Donc, tout d'abord, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter Bonjour, donc Jacques Fayolle, je suis directeur de l'École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne. Mon parcours personnel, professeur des universités, j'ai été enseignant-chercheur. Un doctorat en, en, dans le domaine des mathématiques appliquées et de l'informatique. Puis, assez vite, euh, au cours de, de mon cursus, je me suis intéressé à des grands projets en école d'ingénieurs, qui m'a amené à prendre des responsabilités de directeur adjoint puis de directeur d'une autre école stéphanoise qui s'appelle Télécom Saint-Etienne. Puis, cette appétence pour les grands projets m'a amené à prendre des responsabilités dans la conférence des directeurs d'écoles françaises d'ingénieurs, où j'en ai été vice-président recherche puis euh, président euh, de la conférence qui regroupe la totalité des écoles d'ingénieurs en France. Euh, pendant 5 ans, de 2019 à 2023. Et euh, depuis 2022, j'ai changé d'école, euh, puisque je suis passé de Télécom Saint-Etienne à Mines Saint-Etienne, et j'ai le plaisir de, de, de diriger Mines Saint-Etienne depuis maintenant un peu plus de deux ans. Euh, une très belle maison, mais dont on va parler un peu plus euh, précisément. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu euh, de cette rentrée et des objectifs de cette année Et dans un second temps, est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de... Euh, parce que lorsque vous êtes arrivé, vous avez fait fait un plan stratégique, euh, où est-ce que vous en êtes Pour prendre un pas de recul sur cette rentrée euh, et, et être euh, assez synthétique sur à la fois ce qu'est Mine Saint-Etienne, ses forces euh, et sa trajectoire euh, qui, qui nous projette sur un, un horizon 2027-2030, suivant les sujets, quelques points d'accroche euh, qui permettent de, de résumer en quelques mots ce qu'est Mine Saint-Etienne. Donc Mine Saint-Etienne est une des huit écoles de l'Institut Mine Télécom qui est le plus gros groupe euh, diplômant des des bacs plus cinq en France et des ingénieurs en France et euh, Mines Saint-Etienne au sein de, de l'institut Mines Télécom couvre tout le quart sud-est et en particulier deux régions qui sont deux régions avec beaucoup d'intérêt pour différentes raisons. La région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la deux, première région économique de France, et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est intéressante pour le tourisme, mais pas pour, pas seulement pour le tourisme, pour toute une dimension numérique qui est particulièrement prégnante en, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, on est présent dans ces deux régions au travers de trois campus qui sont situés sur les trois, trois grandes métropoles françaises. Saint-Étienne, évidemment, euh, qui est le, le, à la fois le siège de l'école. Son cœur historique et son centre de gravité en termes de, de volume. Nous avons un campus en Provence, euh, situé à proximité immédiate d'Aix-en-Provence, euh, et un campus à Lyon, euh, sur lequel on fait de la, de la formation tout au long de la vie. Sur l'ensemble de ces campus, euh, Mines saint étienne aujourd'hui, c'est 2500 élèves. C'était 2400 élèves à la rentrée précédente. Cette rentrée, nous serons euh, à proximité immédiate des 2500 élèves. 500 personnels euh, et trois axes stratégiques. Et on, va, on va arriver euh, sur, sur, sur l'évolution. Euh, trois axes stratégiques qui représentent les, les, les points de force euh, de, de Mines Saint-Etienne, à la fois en termes de formation et en termes d'activité de, de recherche. J'affirme que nous sommes intensifs en recherche euh, et on produit beaucoup de nouvelles connaissances euh, par la voie de la recherche dans le domaine historique de l'industrie. Euh, industrie du futur. Et quand je dis historique, c'est l'histoire de l'école. Euh, mine Saint-Etienne a été la première école créée en province, donc la quatrième école d'ingénieurs française historiquement, la première en province, euh, en, créée en 1816, pour, euh, euh, pour amener euh, des ingénieurs euh, piloter les mines à l'époque, et vraiment la, le, le mine au sens euh, minerai. Euh, et on garde de cette histoire le fait que le domaine industriel et le domaine de, de, la, de la production manufacturière reste quelque chose d'important, donc industrie. Mais aujourd'hui, de plus en plus, industrie du futur, avec toutes ces toutes ces acceptations, notamment autour de l'intelligence artificielle pour l'industrie, la 5G, euh, la blockchain, euh, enfin, je, voilà, la réalité virtuelle, euh, donc beaucoup de numérique hein, derrière industrie du futur. Donc un, un chantier stratégique autour d'industrie du futur. Depuis 20 ans, un domaine stratégique qui est Particulièrement important, me semble-t-il, pour tout un chacun, qui est l'ingénierie de la santé, qui est donc l'interaction entre le domaine des technologies et le domaine du corps humain, donc le maintien en conditions opérationnelles du corps humain. Donc, on va parler de biomatériaux, on va parler de bioélectronique, on va parler d'intelligence artificielle pour prévenir des maladies neuro neurodégénératives, voilà, ce, ce, ce genre de, de très haute technologie, hein, parce que dès qu'on met un peu de tech, à proximité du corps humain ou dans le corps humain, euh, dans le cerveau, euh, c'est de la très très haute technologie, avec des enjeux euh, premiers qui sont le maintien en conditions de vie. Euh, et depuis, euh, on va dire, 4-5 ans, euh, de manière très affirmée, euh, un sujet autour de la transition écologique et de la lutte contre le changement climatique, avec au-delà euh, des questions de, de sensibilisation et de, 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 de travaux sur... Qu'est-ce que c'est le changement climatique comment on y influe des vrais apports méthodologiques et scientifiques sur les limites planétaires sur les mesures d'impact de CO2 les mesures de pollution euh, voilà comment est-ce qu'on travaille en tant qu'ingénieur pour que euh, nos produits, nos systèmes aient un impact limité, voire un impact positif euh, sur, le, sur le changement climatique. Donc, ça fait trois axes stratégiques qui articulent le, ce qu'on fait à, à Mines-Saint-Etienne. Et en termes de positionnement stratégique, aujourd'hui, on, on, j'allais dire, on a renversé la donne, puisqu'on dit euh, que le, le sujet, c'est quand même premièrement la transition écologique. C'est notre enjeu à tous. C'est un enjeu planétaire, euh, premier. Qui se décline ensuite dans le domaine industriel et qui se décline dans le domaine de l'ingénierie de la santé. Donc, la locomotive aujourd'hui en termes de formation, de travaux sur la recherche, c'est les objectifs de développement durable et comment on décline ces objectifs de développement durable au niveau industriel et au niveau euh, ingénierie de la santé, euh, à la fois en termes de recherche et en termes de, de, de formation. Euh, derrière, comment ça se décline euh, Ça se décline à différents, euh, sur différents leviers. C'est comme dans les, les, les fables de la fontaine, il ne faut pas mettre tous ces deux dans le même panier. Euh, donc on a aussi une stratégie de diversification à, à, moyen et, à, à court et à moyen terme. À court terme, euh, trois sujets euh, premiers. Le premier, c'est le développement, j'allais dire, endémique, euh, d'un double diplôme très euh, ambitieux. Sur euh, que l'on fait avec euh, nos, notre, nos collègues de l'EM Lyon euh, pour former des ingénieurs managers. Euh, donc, il y a un diplôme qui est, se déroule en quatre ans, qui est un diplôme fusionnel et, et il s'appelle Fusion, euh, qui permet de, de mêler euh, en, en quatre années d'études euh, notre programme ingénieur civil des mines, qui est le diplôme cœur historique de Mines Saint-Etienne et le programme grande école de l'EM Lyon. Donc deux diplômes qui se déroulent normalement en trois ans, donc on les, on les fusionne, on, on, vraiment, on, on mêle les deux programmes sur un programme qui dure quatre ans, et en quatre années, vous avez, pour peu que vous réussissiez évidemment, euh, le diplôme d'ingénieur civil des mines et le diplôme de l'EML. Donc c'est un produit euh, qui est très attendu par les entreprises. Qui est accessible après le concours Mine Pont pour ce qui nous concerne. C'est un recrutement qui est partagé euh, entre Mine Saint-Etienne et le M-Lyon. Donc, la moitié des élèves viennent. Via le concours scientifique euh, pont et euh, les autres élèves via, le, via les concours de l'Aime Lyon. Et l'ensemble des élèves est, est fusionné aussi euh, dans une promo qui euh, mêle la moitié. voilà. Donc ça fait partie des vœux du SCI, absolument. Euh, donc on en est à la deuxième promotion. Ça dure quatre ans. Donc il y a une croissance endémique euh, sur, 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 sur ce volet-là, qui est une croissance assez importante. Premier sujet. Deuxième sujet euh, la croissance sur nos diplômes par la voie de l'apprentissage. Euh, Mine saint etienne est un gros acteur de l'apprentissage. On, on, on a quatre diplômes aujourd'hui que l'on exécute en partenariat avec un acteur privé, euh, centre de formation d'apprentis qui s'appelle l'ISTP. Quatre diplômes et un diplôme en particulier sur, sur lequel nous faisons une forte croissance, qui est le diplôme des, qui s'appelle génie des installations nucléaires. Euh, on sait que la filière nucléaire en France euh, a, a un besoin énorme de compétences et d'ingénieurs. De, de, donc, on a fait le choix stratégique euh, d'accroître cette filière-là. Et sur cette rentrée, on fait plus de 50% de croissance, puisqu'on avait 60 apprentis l'année passée. Et cette année, on va être un peu plus de 100 apprentis euh, dans ce, ce, ce secteur particulier des génies des, génies des installations nucléaires, euh, qui mêle évidemment les sujets de matériaux, de sécurité des installations nucléaires, de maintien en conditions opérationnelles de grandes installations et de systèmes extrêmement complexes. Euh, donc un secteur en pleine croissance et en partenariat évidemment avec les grands noms de, 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 du nucléaire en France, EDF, Framatome, l'ensemble de leurs sous-traitants, Orano, euh, voilà, ces grandes entreprises multinationales. Et puis troisième sujet de croissance, euh, le développement d'un certain nombre de, dire, de diplômes de niche euh, qui viennent euh, s'adosser à des secteurs scientifiques sur lesquels nous sommes extrêmement en pointe. Euh, donc, euh, on a fait la rentrée hier d'un master Erasmus Mundus euh, qu'on emmène avec en euh, partenariat entre Mines Saint-Etienne, le Polytechnico de Turin et euh, la Technological University de Munich. Donc, ils sont trois acteurs de tout premier plan en Europe euh, sur les sujets. Euh, alors, c'est euh, des sujets scientifiques de pointe. Donc, euh, pour essayer de vulgariser un peu, on est là sur la chimie des matériaux et sur la manière dont on va. Euh, Travailler le recyclage de matériaux et donc les secteurs d'application. C'est les nouvelles énergies, c'est la, la batterie que vous aurez demain dans votre voiture électrique. C'est euh, le recyclage d'un certain nombre d'objets en minimisant l'impact euh, écologique sur la consommation des terres rares, sur la, la pollution que ça peut générer. Voilà des, des, des sujets particulièrement prégnants sur ces, ces sujets-là. Donc un master Erasmus Mundus, deux masters spécialisés que l'on ouvre en cette rentrée sur la cybersécurité industrielle. Euh, bon, je pense que le nom parle de lui-même, la voilà, cybersécurité cyber industrielle. Et puis sur le sujet de la résilience, la résilience des, des organisations sur euh, les, les risques écologiques, euh, la recyclabilité des matériaux, euh, donc de, 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 voilà, tous ces sujets euh, autour de, de l'économie circulaire, hein, pour, là aussi pour, pour vulgariser. Donc deux diplômes d'ingénieur de, de, de master spécialisé euh, dans le domaine industrie et dans le domaine transition écologique. Ça, c'est la photo de cette rentrée. Euh, vous me posiez la question, et puis je, je, je tracerai derrière ce qui va se passer dans l'année prochaine et les années suivantes. Euh, vous me posiez quand même la question de savoir si la situation géopolitique nationale et internationale avait un impact. J'aurais envie de vous répondre à la fois oui et non. Euh, oui, parce que ça génère... Euh, une zone de flou. Euh, Aujourd'hui, en septembre 2024, euh, on a une visibilité extrêmement limitée sur nos, nos moyens et nos budgets pour l'année prochaine. Euh, et donc, quand on est dans une phase de croissance, évidemment, un facteur euh, euh, pas forcément de tranquillité pour le directeur et pour les équipes. Mais je le prends avec le sourire. Euh, je le prends avec le sourire, d'une part parce que les fondamentaux sont bons. Euh, on est sur des secteurs qui sont les secteurs d'aujourd'hui et de demain, sur euh, industrie, ingénierie de la santé, transition écologique, euh, c'est les secteurs d'actualité. Et puis, ce qui, est, ce qui est un autre élément d'assurance, qui est euh, aujourd'hui dans un, une école commune Saint-Étienne, sous tutelle du ministère de, de l'Industrie c'est qu'on a euh, un volume d'affaires sur ressources propres, 40% de budget sur ressources propres et 60% qui dépendent euh, du budget du ministère de la subvention pour charge de services publics. Donc ça nous donne une résilience aux, aux évolutions euh, ministérielles. Euh, peut-être plus importante que nos amis universitaires qui sont plutôt sur des, des, des sujets autour de, de 15-16% de, de ressources propres. Donc on, on a un, un volume d'affaires et de, de ressources propres beaucoup plus important qui nous donne un, 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 un petit pas de, de recul. Salut à toi, est-ce que tu peux te présenter Alors moi c'est Antoine Dumont et je suis en deuxième année à l'école des mines de Saint-Etienne. D'accord, très bien. Tu as fait quel prépa J'ai fait fait à Lille et la filière MPI. Ah, MPI ouais. ok. Et tu as pensé de quoi de la, de la MPI Alors, euh, très bien, très bonne filière dans le sens où c'est nouvelle et il y a plus d'informatique. Je pense que l'informatique, c'est l'avenir. Et en plus, ça me permet d'être assez à l'aise dans l'informatique à l'école des mines. Une bonne continuité entre tout ce que tu as fait en prépa et au début. Absolument. Okay, okay. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la rentrée Alors, la rentrée, au début, bah, moi je suis de Lille, donc c'est vraiment pas à côté. Et au début, on est un peu perdu dans la ville, mais les deuxièmes années nous prennent, nous prennent vite. Euh, en considération, il nous explique bien comment ça se passe, tout ça. Donc on est bien intégré, on y arrive bien. L'école est assez euh, facile d'accès, dans le sens où on a 10 minutes euh, de marche entre la résidence et ici. Et aussi au niveau du logement, c'est super pratique parce que la résidence de la maison des élèves est disponible pour tous les étudiants. Et donc on n'a pas à se casser la tête pour trouver un logement, surtout quand on vient de loin comme moi. Ah, c'est vrai que généralement, en plus, c'est que pour les étudiants de première année, tout ce qui est résidence dans différentes écoles. Là, ici, c'est. Là, c'est tout le monde. Tout le monde, tout le monde tous les premières années, ont une chambre okay. euh, attitrée. Ah, bah super, ok. Et euh, donc, toi, je vois que tu as un beau t-shirt là. Exactement. Tu peux nous expliquer pourquoi. Alors, pourquoi Donc, moi, je suis en deuxième année j'ai été choisi pour faire deuxième année de WANA. Donc, c'est-à-dire que je vais faire partie du week-end d'accueil des nouveaux arrivants, ce que veut dire WANA. Et mmh. c'est un week-end d'intégration, mais pas comme en école de commerce mmh. ou, euh, ou quoi, parce que euh, c'est un week-end qui est chapeauté par l'école, donc mmh. sans alcool, assez sportif et, euh, et très, très sympa. Dans le sens où, pour le coup, c'est vraiment de l'intégration. Il n'y a pas okay. aucun bisuitage et, euh, et tout le monde se sent à sa place et se découvre. Moi, C'est comme ça que je me suis fait des super potes pour toute l'année. Ok, ah, c'est une super initiative, franchement, c'est top. Et toi, tu attends quoi de cette année-là et du futur De cette année-là, j'espère euh, surtout faire passer une super année en première année, ouais. comme moi, j'en ai passé une en première année, et euh, continuer à me perfectionner. Donc, comme j'ai dit, je faisais une prépa en informatique. Et donc là, je vais essayer de continuer l'informatique pour derrière euh, m'orienter dans ce domaine-là et euh, mettre à euh, profit. Toutes les connaissances que j'aurais apprises à l'école. Un futur data scientist Pas du tout, pas <laughs> du tout. Plutôt euh, cybersécurité, IA, parce okay. qu'il euh, ouais. paraît que ça se développe l'IA. Ouais. Donc euh, autant aller là-dedans. Et même euh, dans l'idée aussi, faire euh, manager. Okay. Pas forcément être développeur derrière un PC. Okay. C'est l'avantage qu'on a dans les grandes écoles, c'est qu'on a également des cours de management, de, oui, de, management de stratégie. Mmh. Et donc euh, derrière, je pourrais faire les... jouer sur les deux, les deux tableaux. Est-ce que tu peux te présenter Alors euh, je m'appelle Marie Lahaye. Et euh, je suis élève en deuxième année euh, au milieu de Saint-Etienne. Ok, t'as fait quoi comme prépa avant euh, J'ai fait une prépa euh, PC à Janson de Sailly à Paris. Est-ce que euh, tu peux nous donner euh, enfin, un petit mot sur la rentrée Sportif, je dirais. C'était bien, <laughs> mais comme euh, j'organise la plupart euh, des événements euh, pour les associations et euh, pour... Euh, 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 je suis admisseuse des premières années, euh, j'ai dû un peu courir partout pour les rencontrer mais c'était très sympa en même temps de pouvoir euh, tous les rencontrer, euh, de voir ce que c'est d'être une deuxième année, donc euh, oui je dirais sportif, mais, mais très bien. Ok, bah super super, euh, tu nous as dit que tu as une association photo, tu peux nous en dire plus euh, Bah bien sûr, <laughs> euh, je suis présidente de l'association MyTV et euh, donc on Surtout, on prête du matériel euh, photo pour tout ce qui est événement pour les associations, même pour les particuliers. Et on a un partenariat avec l'école des mines euh, et on fait euh, des photos pour des événements qu'on leur euh, envoie ensuite et on est rémunéré pour, euh, pour les faire. Ah bah c'est top, c'est super. Au vous, par vous participez à la com de l'école, quoi. C'est ça, c'est ça. <laughs> ok, très bien, très bien. Et toi, c'est quoi tes objectifs pour plus tard euh, Moi, j'aimerais bien travailler dans l'optique. Okay. Euh, donc, euh, mais comme j'ai fait que de la théorie, j'aimerais bien faire un petit peu de pratique. C'est pour ça que je vais faire une césure pour faire un stage de six mois et voir si ça me plaît. Et ensuite, euh, peut-être faire ma dernière année à l'étranger parce que j'aime bien partir à l'étranger. Et après, euh, voir ce que, ce que les entreprises me proposent, euh, oui. ce qui me plaît. Et tu veux y aller en vacances ou pour travailler les deux, les deux, les deux. Et tu as des pays un peu. J'aimerais bien visiter l'Asie parce que c'est vraiment. Une, euh, une région euh, du monde que j'ai pas beaucoup visitée. Et, euh, et puis après, la Norvège aussi, ça m'intéresse pas mal. Hein, D'aller faire un petit peu de camping, aller faire euh, un petit peu de photos aussi là-bas. Okay. Donc, euh, donc voilà. Moi, je suis partie à Taïwan travailler et franchement, j'ai bien aimé. Hein. <laughs> donc si tu veux des... une piste de pays en Asie, va à Taïwan, c'est bien. <laughs> ah bah oui, je suis preneuse. <laughs> okay. Troisième sujet et qui nous amène au domaine de la santé, dont vous avez dit qu'elle me tenait à cœur. Euh, Mine Saint-Etienne a effectivement depuis 20 ans développé un corpus de compétences sur l'ingénierie de la santé, donc l'apport des technologies au domaine de la santé, euh, sujet qu'on a travaillé déjà dans l'interaction entre euh, les équipes de Mine Saint-Etienne et euh, le domaine de la santé, qui donne lieu depuis près de 20 ans à des doubles diplômes que vous avez évoqués diplôme ingénieur-médecin, ingénieur-pharmacien et depuis cette rentrée ingénieur-dentiste. Donc ça, c'est des produits qui existent, euh, qui permettent euh, en, dans, en juxtaposition de cursus, euh, des bouts de cursus d'ingénieur civil des mines, des bouts de cursus de médecine, de pharmacie, de dentiste. Euh, et, et une fin de cursus, soit d'un côté, soit de l'autre, mais d'acquérir ces deux compétences, et donc d'avoir des dentistes qui connaissent très bien la science des matériaux. Une, une couronne, c'est de la céramique, c'est des matériaux. Euh, je reviendrai sur la pharmacie, là, les médicaments, c'est de la chimie. Enfin voilà, il y a des, des compétences euh, extrêmement intéressantes d'ingénierie euh, derrière ces métiers-là. Donc depuis 20 ans, on fait ça, et on le développe. Euh, en termes de volume, notamment dans le cadre du plan région des ingénieurs de la région verne alpes pour euh, augmenter ce volume-là euh, sur, sur, sur ces trois filières ingénieur médecin, ingénieur pharmacien, ingénieur dentiste. C'est un des volets euh, de croissance sur, sur euh, l'ingénierie de la santé. L'autre volet, euh, beaucoup plus important, j'allais dire euh, significativement et stratégiquement, c'est que de faire le bilan que ce domaine de l'alliance entre la technologie et le domaine de la santé, euh, c'est quelque chose euh, qu'on doit traiter sur la durée, sur des cursus qui sont des cursus longs. Et en proposant à des, à des, des profils d'étudiants que l'on ne traite pas aujourd'hui à Mine Saint Etienne, qui s'intéressent à la fois au domaine de la médecine et au domaine de la santé, d'intégrer Mine Saint Etienne beaucoup plus tôt, et donc dès le post bac. Ce qui est une révolution pour Mines Saint-Etienne, puisque Mines Saint-Etienne recrutait jusque-là sur du, des recrutements post-classe préparatoire. Et donc, à rentrée 2025, nous allons ouvrir un cycle préparatoire post-bac pour des élèves qui euh, auraient envie de faire à la fois, qui hésitent entre euh, faire des études de médecine et faire des études d'ingénieur, qui sont au passage les deux vœux les plus courus. Euh, sur Parcoursup euh, pour, pour les, 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 les bons élèves euh, et donc de faire à mines Saint-Etienne un cursus préparatoire qui va mêler les deux euh, des études euh, préparatoires aux écoles d'ingénieurs. Donc, ce qui va en gros, le, le, le fond du cursus, c'est une classe préparatoire type physique, chimie, PC. Cas, alors, on va enlever un petit peu de chimie. Et on va rajouter euh, tout un volet autour de la santé et de la biologie, euh, et, et donc de, des, objets qui permettent, des objets scientifiques qui allaient, permettent d'aller vers des études de santé et des études de, de médecin. Donc faire ça en deux ans. On fait ça avec notre partenaire euh, universitaire, euh, la faculté de médecine de l'université Jean Monnet à Saint-Etienne. Recruter des élèves qui auront fait de la biologie euh, au lycée, parce qu'il faut cette appétence sur, 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 sur la santé. Pour leur proposer un cycle préparatoire de deux ans, qui sera bidiplômant, un diplôme d'école de Mines Saint-Etienne, pour intégrer derrière nos filières ingénieurs à Mines Saint-Etienne sur nos deux, nos deux campus, mais aussi les autres écoles de l'Institut Mines Télécom, Atlantique, Albi, euh, euh, voilà, euh, les, les écoles du, du groupe euh, Institut Mines Télécom. Et, pour ceux qui le souhaitent, intégrer en deuxième année euh, des études de santé, de médecine. Euh, à, à la faculté euh, de Saint-Étienne. Donc un, un un diplôme, un nouveau diplôme, cycle préparatoire qui va s'appeler cycle préparatoire et diplôme en ingénierie de la santé. Son acronyme c'est P10. Euh, très exigeant. Hein, euh, en deux ans, on veut faire à la fois ce qui ressemble à une classe préparatoire à l'ingénierie et une forme de préparation à la deuxième année de médecine. dont on sait que les deux les deux sont très exigeants. Donc euh, ce sera un recrutement d'excellence. On vise 60 élèves sur Parcoursup. Euh, et rentrée 2025, dans 12 mois aujourd'hui, donc euh, très exigeant, mais aussi, euh, si c'est très exigeant, c'est aussi un engagement euh, avec des, des sorties à plus de deux ans, très intéressantes, euh, puisque vous aurez à la fois un diplôme d'école qui permet d'intégrer les cycles, des cycles très intéressants de, de, de Mine-Saint-Étienne ou d'autres écoles d'ingénieurs, ou des études de santé, et on sait que c'est exigeant. Et diplômant, puisque nous aurons, vous aurez un diplôme de Mines Saint-Etienne à bac +2 et une licence. Et j'insiste sur une licence, puisque ce sera l'ensemble qu'on fait donc avec notre partenaire euh, Université Jean Monnet, c'est une licence accélérée. Donc en deux ans, vous aurez une L3 euh, euh, qui s'appelle Sciences pour la santé, qui vous permet derrière, si vous le souhaitez, de poursuivre sur des carrières universitaires, de master euh, ou, ou autre. Euh, donc voilà un, un nouveau diplôme. C'est un ovni hein, dans le paysage, hein, euh, euh, mais dont on pense qu'il d'abord il répond à un besoin professionnel. Aujourd'hui, le domaine de la santé devient de plus en plus technologique. Euh, donc les professionnels de santé ont besoin de comprendre euh, des technos et au-delà de comprendre, euh, de concevoir des technologies. Et inversement, euh, on s'aperçoit que nombre de nos ingénieurs se positionnent dans le domaine de la santé. Et donc, quoi de mieux que d'étudier un peu euh, comment fonctionne la santé Donc ce secteur-là... Euh, il a des débouchés professionnels immenses, il a des viviers euh, très importants. J'ai dit sur Parcoursup que c'était deux des vœux majeurs et on pense que voilà, ça, ça peut et ça doit attirer des très bons élèves. C'est le pari qu'on prend et c'est le pari qu'on va accompagner en mettant euh, beaucoup de force de Mines Saint-Etienne derrière ce projet emblématique, qui est un projet pour Mines Saint-Etienne, qui est un projet expérimental pour l'Institut Mines Télécom. Euh, et qui nous place euh, clairement dans la deuxième moitié du XXIe siècle euh, sur euh, les enjeux de demain sur l'ingénierie de la santé. Donc, une autre question où cette fois-ci euh, je pense que vous avez beaucoup de choses à partager, c'est par rapport à la lutte contre le changement climatique. Donc, vous avez été. Euh... Vous êtes la première école qui, qui travaille énormément dessus, qui a vraiment une expertise dessus. Vous avez dit que vous avez des experts vraiment euh, du top niveau. Est-ce que vous pouvez en dire plus Alors, euh, d'abord euh, souligner que euh, c'est pas quelque chose qui se décrète. Euh, c'est pas le directeur qui, dans son bureau, prend euh, la décision de dire euh, nous, sommes bon, nous sommes bons sur le changement climatique. C'est un travail de fond qui se mène sur la durée. Euh, et je tiens là, ici, à souligner le, le travail de mes, de mes prédécesseurs. fait le choix stratégique il y a plusieurs années, une dizaine d'années, euh, d'identifier de, 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 ce secteur comme étant un secteur de développement scientifique, d'y mettre les moyens, euh, des moyens financiers, des moyens humains d'enseignants-chercheurs, de, pour développer un corpus scientifique euh, de pointe. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir été la première école d'ingénieurs à être labellisée, le label des DRS de la conférence des grandes écoles, euh, où, sur lequel on a contribué, euh, donc on a été labellisé dans les, dans les toutes premières écoles, mais on a contribué à définir le label même, voilà, pour synthétiser ce que ça voulait dire d'être développement durable et responsabilité sociétale. Donc c'est un travail de, de fond euh, qui se retrouve derrière de manière transverse à l'ensemble de nos activités. Quand on parle de transition écologique, évidemment, il faut avoir en module de première année un cours sur qu'est-ce que c'est que les gaz à effet de serre, comment ça se mesure, comment on fait un bilan carbone, comment est-ce que voilà. Mais là où se, euh, où se réalise la, la vraie révolution, c'est quand euh, le prof de génie des matériaux euh, commence à parler dans son cours de matériaux, de, euh, alors si vous utilisez telle ou telle technologie, ça aura un impact euh, de telle façon sur les gaz à effet de serre, ça aura un impact de frottement, euh, donc vous allez consommer moins d'énergie et donc vous allez consommer moins de, 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 de carburant, par exemple, je vous le fais vraiment avec les mains. Et donc euh, la vraie révolution, c'est quand chaque enseignant-chercheur va parler dans son domaine de spécialité. De mathématiques, de matériaux, de, euh, de chimie, d'informatique. De, euh, euh, je vais reprendre l'exemple de l'informatique. Je vous disais en intro que j'étais informaticien. La manière dont vous programmez va derrière générer le fait que euh, vous allez consommer plus ou moins d'énergie dans un data center que vous allez être plus efficient sur, la, sur le transfert des données et donc avoir un impact plus ou moins important sur euh, le climat parce que vos. Euh, vos serveurs qu'on sera moins euh, ou plus euh, et, et ça sera un impact donc la vraie évolution c'est quand chaque professionnel va parler de ces sujets là donc au sein de Mines saint etienne on a cette équipe euh, au, au sein du laboratoire euh, qu'on a en partenariat avec euh, le cnrs environnement ville société qui développe un corpus scientifique spécifiques sur les limites planétaires, sur le changement climatique, et puis un accompagnement de l'ensemble des enseignants-chercheurs pour que dans leur, euh, dans leur module de spécialité, ils traitent ces sujets-là, non pas comme le vernis en plus, mais comme un des éléments de cœur de métier, un des éléments de contexte, un des éléments de contrainte pour euh, être efficient. Et euh, donc, c'est la raison pour laquelle j'ai la prétention de dire que chaque élève diplômé de mille saint étienne aujourd'hui, est un acteur de la transition écologique parce que, quel que soit le domaine dans lequel il va sortir, il aura eu non seulement le, le, la base qui est euh, voilà, les gaz à effet de serre, la, le bilan carbone, ce genre d'objets, mais dans son domaine de spécialité, les outils, les leviers euh, scientifiques pour adresser ces questions-là. Et c'est là où, on, en fait, on a un effet démultiplicateur. Euh, très important, puisque euh, chaque année, on met sur le marché de l'emploi euh, près de 600, euh, 600, 700 nouveaux ingénieurs euh, diplômés qui vont derrière, alors peut-être pas tous à euh, 100%, euh, parce que chacun a sa, sa, sa façon de penser et va être plus ou moins euh, investi sur ce champ de la transition écologique, mais qui, en tout cas, a les moyens et les leviers, s'il le souhaite, d'être euh, je, je euh, évangélisateur de ces questions-là dans son entreprise pour faire bouger les choses. Et c'est là où on a un, un énorme levier, au-delà de ce qu'on fait euh, en travaux de recherche pour apporter de la connaissance et de la compétence sur ces chantiers-là.